Chers internautes de la chaîne Diversité 07, moi salue nous et me content de rejoindre nous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo. Ça. Depuis le commencement mois janvier, moi commencé une nouvelle aventure sur chaîne YouTube Diversité 07. Aventure ça qui s'allie. C'est présenter chaque jour une vidéo qui parlait de ce qui était passé dans l'histoire du pays d'Haïti. Et un jour, tant qu'aujourd'hui, ça nous relève éphéméride. Il y a plusieurs raisons qui t'ont poussé à prendre l'initiative de faire une série de vidéos pour raconter l'histoire. Premièrement, moi songe un jour, moi t'a fait recherche sur internet sur question histoire pays d'Haïti. Pas histoire récente. L'homme d'histoire récente, moi événement qui t'est passé de 1986 à journée aujourd'hui. Mais moi t'ai voulu remonter plus loin, tant coup 1804 et occupation américaine, etc. Pas vraiment gagné grand-chose sur internet ou bien sur YouTube sur question ça. Et puis le moins fait constat, moi dit pour qui ça m'a pas prendre initiative étant donné mon channel YouTube pour me faire des petites vidéos, des petits courtes vidéos qui relater événements qui t'est passé dans l'histoire pays d'Haïti en jour aujourd'hui. Ça c'est première raison qui fait moi te prendre initiative faire éphéméride. Deuxième raison, moi songe un dimanche matin, t'attendais une émission sur Radio France Internationale qui relait la marche de l'histoire. Dans l'émission jour ça, on t'a parlé de un chemin de fer clandestin qui sortit du sud des États-Unis pour aller au Canada. C'était route ancien esclaves qui étaient persécutés par question ségrégation raciale, t'es content pour y aller. Canada qui était considéré à l'époque comme la terre de la liberté. Moi t'attendais quantité de initiatives qui prend pour garder mémoire ça vivant. Et c'est des initiatives qui te prend par descendants anciens esclaves qui te fait route sorti sud des États-Unis pour aller vers la liberté Canada. Et ben gros ensemble de bagay que yo fait pour garder mémoire ça vivant, yo fait musée, yo fait film, yo écrit livre sur ça, yo fait des conférences dans l'école en façon pour capable garder mémoire ça vivant. Moi dit Haïti gon histoire qui est assez riche. Pour qui ça jeune nous yo pas connaît histoire ça? Pour qui ça pas gain des initiatives qui prend pour garder mémoire ça vivante. Troisième réseau qui te fait mon point initiative faire série de vidéos ça sur cause éphéméride là. Moi songe un jour moi t'a marché dans ville Gonaïve comme savant yo dit que leur marché ça suscité réflexion. Effectivement, moi t'ap marché, moi t'ap réfléchi sur histoire ville Gonaïve que relé cité de l'indépendance parce que c'est là yo t'ai proclamé indépendance pays d'Haïti. Mais moi t'ap regardé autour de moi qui ça qui relate mémoire ça. À part mémorial là qui existait que moun pas vraiment visité, que ou pas vraiment fait promotion pour lui et qui vraiment tourne en mauvais état. Il y a pas mémorial là qui ça qui gagne dans ville Gonaïve qui capable de rappeler nos riches histoire ville là. Pas grand chose. Gonaïve en tant que ville côté indépendance santé proclamée, mais au moins nous avons un musée de l'indépendance. Musée de l'indépendance ça, l'étape non seulement relater mémoire nous et l'étape permettre que monde sorti tout partout dans pays a vienne visiter musée de l'indépendance là et pour voir comment l'histoire a déroulé. Donc pas gain aucune initiative vraiment
qui fait dans la ville là en termes de mémoire pour rappeler nous tout événement qui t'est passé. Et puis me dit dans ce sens ça, faut me arrêter seulement à constater mais qui ça me ca fait dans niveau PAM pour me capable d'une manière ou d'une autre permettre que jeune yo gain accès à mémoire ça. Et ben on dit tellement puisque mon channel YouTube pour qui ça me pas prendre initiative faire quelques vidéos même si c'est pas des vidéos longues pour me capable quitter pour l'histoire pour la postérité et que qui capable permettre mon yo gon l'idée qui ça qui t'est passé dans l'histoire pays nous un jour comme aujourd'hui là. C'est trois raisons ça qui fait moi prendre initiative faire une petite vidéo qui pas trop long qui ca durer une ou deux minutes que moi poster sur channel là chaque jour en façon pour capable aider nous faire travail mémoire ça. Mais qui t'aime dit non faire une vidéo chaque jour petit que lié ça mandé en pile ressources. Premièrement ça mandé faut faire recherche pour connait qui ça t'est passé dans l'histoire aujourd'hui a. Deuxièmement faut pour rédiger un texte et troisièmement faut pour chercher image qui ca correspondre à vidéo qu'on veut publier a. Quatrièmement faut pour enregistrer une voix pour mettre sous lui pour raconter histoire. Cinquièmement, il faut qu'on fasse montage là. C'est des travails qui pitient, mais qui prend énormément de temps. Peut-être ça, nous besoin d'encouragement, nous besoin de support, nous besoin de collaboration. Encouragement, support et collaboration, ça, comme on est capable de le regarder vidéo, le partager, le abonner à la chaîne, le activer la petite cloche qui bon, ici, pour capable recevoir toutes les vidéos que nous allons présenter. Ça, c'est support que vous-même, les amis qui regardent les vidéos, les amis qui abonnent à la chaîne Diversité 07. Et vous-même qui pouvez abonner à la chaîne là, vous-même qui pouvez quitter un commentaire en bas vidéo pour nous, vous-même qui pouvez activer la petite cloche notification, vous invite à faire ça à Kounia. À l'abonner. Like vidéo, fais commentaire et puis activez la cloche de notification pour capable recevoir nouvelles vidéos. C'était Gubido Vilma pour la chaîne Diversité 07. À très bientôt pour une autre vidéo.